Madame, tous les gars derrière, vous allez faire le point de la situation après et vous pouvez remonter ça à TGPV pour qu'on puisse regarder. Parce que nous avons comme objectif de mettre à la disposition des producteurs sur les 5 prochaines années 20 000 tonnes chaque année. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Donc, le besoin va être là. Maintenant, c'est comme on l'a dit, nous, on n'est plus dans une dynamique où on va amener les semences au mois d'août pour remettre aux producteurs. Donc, c'est à vous d'accélérer le traitement de vos semences, les reconditionner et être prêt. Au moment où on vous dit de les déposer, vous les déposez pour que l'ensemble des opérations qui doivent être menées là puissent être menées. Ouais. Cette année, nous avions donné fin mai comme délai. Oui. Et l'année passée, nous avons donné fin mai comme délai pour que ça puisse être disponible aux producteurs. Mmh. Le producteur doit avoir la semence en main et puis attendre la pluie. Ouais. Voilà, il ne doit pas. Il pleut et puis il commence à chercher la semence et les engrais, ce n'est pas normal. Voilà. Monsieur le ministre, comme nous sommes parlant de semence, parce qu'au niveau du Nouvel, là, fait vraiment que certains ont été impactés. Mm-hmm. À un moment où, bon, même nos chemins se sont améliorés, c'est difficile qu'on puisse boucler le cycle. Mm-hmm. Voilà. Bon, je crois que ce qu'on a pensé, bon, c'est de peut-être aussi intégrer, en fait, associer les producteurs, mm-hmm. parce que souvent aussi détiennent, en fait, des semences locales, là, mm-hmm. précoces. Est-ce que, bon, penser peut-être à des banques de semences pour que chaque année, on puisse reproduire au cas où vraiment un besoin, qu'on puisse vraiment. Parce qu'il y a certains qui se disent que bon, c'est pas quoi, ils sont venus à nous. Mais bon, notre niveau aussi, pour trouver vraiment des semences, la recherche effectivement fait beaucoup, mais il faut vraiment qu'on intègre même les communautés dans la production, dans la promotion vraiment de la semence communautaire. Voilà. Je pense que la réflexion est en cours, il y a même des actions en cours avec la nouvelle loi sur les semences là. Oui, oui. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prévues et voilà. qui sont prises en compte. Voilà, ça va permettre d'améliorer de manière générale le système. Okay. Voilà, ce qui concerne les semences. On y travaille. Okay. Maintenant, là, on ne peut pas travailler. Mm-hmm. On creuse avec Dava. Mm-hmm. On sent bien, bien comme ça. Et puis, on creuse avec Dava, là. Mm-hmm. C'est ça qui est tellement dur. Mm-hmm. Voilà. Vous voulez quoi? Bon. Si on gagne, traiter, mm-hmm. cultiver, ça sera bon. Bien. Oui, les labos, là, vous n'avez pas fait vous. Oui, bon, il faut dire que les labos, vraiment, c'est... Bon, moi, oui, en fait, je ne sais pas. Bon, oui, c'est ça, merci bien. On a eu en place des commissions, effectivement, chargées d'identifier. Et que, bon, il faut dire que ici, c'est une coopérative, mais quand vous voyez le bas-fond, bon, parce que un tracteur, c'est-à-dire, hein, on va tout détruire. Ouais, ouais. Bon, maintenant, c'est peut-être de voir avec le système, bon, comment est-ce qu'on va mettre, en tout cas, un dispositif qui va. Pour faciliter. Parce que c'est vraiment les pays à faire, où vraiment c'est ouvert, là facilement, on peut, et puis bon, on en fait. Mais là, c'est l'étiquette, vraiment. Voilà. Ouais, mais on. Voilà, des motocicleteurs. Voilà, les motocicleteurs. Je pense qu'avec ça, on pourrait effectivement mettre en construction ces plafonds pour permettre vraiment. Ce serait adapté vraiment à ça. Ok. Voilà. L'aspect, c'est que quand nous, on les interpelle, la fondation. C'est la fondation. Donc nous met en queue de liste. Et après, on dit, ah, bon, vous savez, bon, vraiment. Oui, c'est vrai que le critère premier de notre action, c'est la vulnérabilité des bénéficiaires. Oui. Bon. C'est vrai. Quand même, quand on est soutenu par la fondation, on n'est pas vulnérable. Non, les coopératives, elles sont maintenant autonomes. Ok. Donc, vraiment, nous, on fait actuellement le strict minimum. Okay. C'est le strict minimum. Okay. Donc, si on continue à bénéficier des appuis okay. du ministère, ça va beaucoup. Ça sera pris en compte. Surtout quand je regarde l'engagement et la détermination des dames, là, malgré leur âge, il faut les encourager, il faut les accompagner. C'est ça. Hé, hey, la vieille, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, le président a dit qu'il veut que tout le monde soit content, tout le monde soit droit comme ça, fier. Fier. Hein? Fier. Ça va?
Ça va bien. Bon, donc on va revenir à la récolte. Ok. Voilà. Face au 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.